Seigneur a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas besoin des choses de ce monde, mais mon âme veut ta présence. Robo shata brada rabashan. Alléluia. Nazana posana yo. Natondi na posa e na yo. Nazali na posa na yo. Nazali na posa na yo. Nazali na posa na yo kolo, nazali na posa na yo kolo Yesu, nazali na posa na yo kolo, nazali na posa na yo, nazali na posa na yo.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Que le nom de Jésus soit puissamment béni. Mes bien-aimés, sans plus tarder, nous attaquons directement notre temps d'enseignement. Comme vous le savez bien, amen. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6e. Ça, c'est notre texte de base. Jusque-là, je n'ai pas encore vraiment touché sur ces cavaliers. Je suis en train de parler seulement sur la couleur de sa monture, mais je suis en train de faire quand même une exhortation. Je descends un peu dans la doctrine pour pouvoir nous encourager à s'accrocher au Seigneur. Donc, j'ai fait un petit crochet pour nous exhorter par rapport à cette couleur. Donc, ne vous dérangez pas si vous voyez que je ne parle pas vraiment souvent de ces cavaliers par rapport à ces couleurs, mais je vais rentrer là-bas. Je vais rentrer là-bas. Je crois déjà demain, comme c'est notre dernier jour de cette semaine, donc je parlerai, je crois, par la grâce de Dieu par rapport à sa couleur. Donc je vais expliquer la beauté par rapport à l'ennemi, par rapport à la manifestation de ces cavaliers. Je crois qu'aujourd'hui, je vais encore faire une petite exhortation par rapport à cette couleur, par rapport à nous, l'Église. Donc on va tirer une leçon spirituelle par rapport à ça. Donc je vais compléter quelque chose à ce qui y a été déjà dit hier par la grâce de Dieu. Voilà, Apocalypse chapitre 6e, nous sommes dans les versets 5 à 6. Je lis. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici Paris un cheval noir. Jusque-là, nous sommes attelés ici. La Bible dit « Celui qui l'est monté tenait une balance dans sa main ». Verset 6. J'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de bleu pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin ». Voilà. Alors, je vais compléter cette écriture parce que nous sommes en train de parler sur la couleur de sa monture. Nous complétons cette écriture par le livre des Cantiques, des Cantiques, chapitre 1er, verset 5 jusqu'au verset 6e. Et puis on va lire aussi Cantiques, des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Je crois que vous avez déjà ces passages, je ne fais que répéter. Et puis nous allons lire aussi Apocalypse 12, verset 1er. Voilà. Je lis. La Bible dit « Je suis noir, mais je suis belle ». Donc jusque-là, nous sommes en train de parler de la couleur noire comme étant, comme étant symbole de la beauté. Symbole de la beauté. « Je suis noir, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. » Donc, vous voyez, ici, il y a plein de choses à dire, mais si on explique tout, je crois que ça va nous prendre du temps. Parce que cette beauté est comparée aux tentes de Kédar, est comparée au pavillon de Salomon. Donc, ici, déjà, prenez Salomon comme étant l'image du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous comprenez que c'est une femme qui s'identifie à son mari. C'est ça, au fait, c'est ce que vous devez comprendre aussi, ici, dans ce passage. Donc, il dit, je suis noir. Hein, regardez les textes, je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Donc, il s'adresse, donc vous voyez, il dit, belle, fille de Jérusalem. Donc, il s'adresse aux filles de Jérusalem. Hein. Il dit, comme les tentes de Kédar. Donc, sa beauté ressemble aux tentes de Kédar. Il dit, comme les pavillons de Salomon. Donc, sa beauté ressemble aux pavillons de Salomon. Et si vous cherchez à comprendre ces tentes de Kédar, vous allez voir qu'il y a des écritures qui parlent des tentes de Kédar, mais on ne va pas toucher ça. Le pavillon de Salomon, comprenez déjà Salomon comme l'image du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire des appartements de Salomon, c'est-à-dire étaient aussi beaux comme cette femme, la Tsunamite. Vous comprenez? Donc c'est une femme qui a, donc, c'est-à-dire qui tire sa beauté aussi auprès de son mari. Voilà. Le verset 6 dit, « Ne prenez pas garde à mon teint noir. » C'est le soleil qui m'a brûlé. Donc, comme nous sommes en train de dire, et je répète que la couleur de sa peau a eu les effets du changement
à partir de la, donc, c'est-à-dire parce que le soleil l'a consumé. Vous comprenez? Vu que le soleil a brûlé sa peau et sa peau a changé, c'est-à-dire sa peau est devenue tout noire à cause de cette brûlure. C'est-à-dire le soleil a brûlé sa peau et sa peau est devenue noire. Sa teinture a complètement changé. Et si vous lisez dans Cantique des Cantiques, toujours chapitre 6e verset 10, vous allez voir que la Bible dit, donc cette femme est devenue belle comme la lune. On avait dit que le travail que le soleil a réalisé dans la vie de cette femme, c'est la lune qui est en train de manifester les résultats de ce que le soleil a fait comme travail dans la vie de cette femme. Parce que dans Cantique de Cantique, chapitre 6, verset 10, elle dit, « Qui est celle-ci dont l'aurore s'élève belle comme la lune ?» Je suis dans la traduction Bible du peuple. On dit « Flamboyante comme le soleil à son midi, redoutable comme une armée bien ordonnée. » Donc vous comprenez que la Bible compare sa beauté à la beauté de la lune. Vous voyez ? Donc c'est la lune qui manifeste la beauté de cette femme. Ici je suis dans Apocalypse chapitre 12 verset 1. Parce qu'on voit la lune sous les pieds de cette femme. Vous voyez, Apocalypse 12, 1. Le signe de la femme, c'est-à-dire on parlait alors un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme, elle avait pour vêtement quoi? Le soleil. La Bible dit la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc vous comprenez que ce que la lune est en train de faire sous les pieds de cette femme, c'est de pouvoir manifester le travail que le soleil est en train de faire dans la vie de cette femme. Comme je vous avais dit que la lune, en réalité, n'a pas d'éclat, n'a pas la lumière. Tout ce que la lune dégage comme éclat, comme lumière, comme beauté, elle les reçoit auprès du soleil. Quand le soleil travaille pendant la journée, la lune est en train de recharger cette énergie. Donc vous comprenez que cette femme ici, c'est-à-dire le travail que le soleil est en train d'accomplir dans la vie de cette femme, la lune manifeste les résultats de ce travail comme étant beauté. C'est ça ce que vous devez comprendre jusque-là ici. Donc la lune manifeste les résultats de ce travail comme étant beauté. Mais vous allez voir que la femme, au départ, sa teinture n'était pas comme ça. Donc elle avait une autre teinture. Mais du fait que le soleil a frappé sa peau est devenue tout noire. Or, la couleur noire, c'est la couleur des sacrifices. Vous savez, mes bien-aimés, celui qui peut vivre les effets du soleil, comme j'avais dit, c'est quelqu'un qui doit être en dehors de la tente. Parce que remarquez, quand le soleil frappe à son midi, mes bien-aimés, si tu restes dans la maison, tu ne seras pas frappé par la chaleur du soleil. Il faut que tu sortes de ta tente pour que tu puisses vivre les effets du soleil. Vous comprenez, même ceux qui se bronzent ici en Europe pendant l'été. Si tu restes dans la maison, tu vas pas se bronzer. Donc si tu veux se bronzer, donc il faut que tu t'exposes au soleil. Donc que tu sors de ton confort, tu sors de ta maison. Vous voyez? Aller dans un endroit où le soleil frappe. Et là, quand tu t'exposes en dehors de ta tente, là, tu vas vivre les effets du soleil. Donc vous comprenez que cette femme, sa teinture a changé, sa peau est devenue noire. Cela atteste que c'est une femme qui était sortie de sa tente. Or, si nous allons dans les livres d'Exode, dans les tabernacles, mes bien-aimés, suivez-moi ici très bien. Je suis en train de rassembler ce qu'on avait dit et puis j'ajoute quelque chose. Et puis on va tirer une leçon spirituelle et puis on va se séparer. Si nous allons dans les tabernacles, mes bien-aimés, vous allez voir que les tabernacles avaient trois parties. Suivez-moi ici très bien, mes bien-aimés. Les tabernacles avaient trois parties. Dans les tabernacles, nous avons une partie qui s'appelle l'éparvis. L'éparvis, qu'est-ce qui se trouvait dans l'éparvis? Suivez-moi très bien, je vous en supplie, pardon. Qu'est-ce qui se trouvait dans l'éparvis? Des choses, des éléments. Dans l'éparvis, il y avait l'autel des holocaustes, c'est-à-dire là où l'agneau est immolé. On tuait l'agneau, les sacrifices du péché. C'était dans les parvis. Il y avait les kives des reins, là où il y avait l'eau. C'est-à-dire les sacrificateurs, après avoir
fait le travail d'immoler, ce travail voilà, de sacrifier l'agneau, de faire le travail de l'Holocauste. Maintenant, il doit aller dans là où se trouve la cuve de rein pour pouvoir se laver, enlever toutes les saletés qui se trouvent dans son corps avant de pouvoir entrer dans quel endroit? Dans les lieux saints. Parce que la deuxième partie ou la deuxième étape, c'est les lieux saints. Qu'est-ce qui se trouvait dans les lieux saints? Dans les lieux saints, il y avait aussi deux choses. Il y avait les chandeliers, il y avait le table de pain de proposition. Là se trouvaient tous les sacrificataires, tous les fils d'Aaron se trouvaient là. Après cette étape, il y a la dernière partie qui se trouve dans les tabernacles qui s'appelle les lieux très saints. Qu'est-ce qui se trouvait là-bas? Là-bas se trouvait l'autel du parfum. L'autel du parfum, c'est le symbole de prière. Hein, vous pouvez lire quelques passages dans les livres d'Apocalypse. Vous allez voir que l'autel du parfum représente les prières. C'est-à-dire là se trouvait l'autel du parfum. Et il y avait aussi l'arche de l'Alliance qui était la présence de Dieu. C'est ça ce qui se trouvait dans les lieux très saints. Et celui qui était censé d'entrer là-bas, c'était le souverain sacrificataire. Il entrait là-bas une seule fois par an. Dans les lieux très saints. Une seule fois. Donc les gens ne pouvaient pas entrer là-bas comme on entrait dans les parvis ou dans les lieux très saints. Si vous osez d'entrer là-bas, vous pouvez être tué par la présence de Dieu qui est là-bas. Alors si on prend les parvis, suivez-moi ici très bien mes bien-aimés, je vais vous révéler quelque chose. Si on prend les parvis, on les met dans, plutôt on prend les tabernacles, on les met dans les sens debout. Regardons, mais debout. Donc, c'est-à-dire, le parvis, c'est comme la terre. Vous comprenez? Et les lieux saints, c'est l'image quoi? C'est l'image de l'église. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que dans les lieux saints, qu'est-ce qu'ils sont? Parce que dans les parvis, qui se trouve dans les parvis? Dans les parvis, ce qui se trouve là-bas, c'est le monde. Tout le monde pouvait entrer dans les parvis. Tout le monde. Donc, c'est-à-dire, c'est le monde. Et dans les lieux saints, c'est là où se trouvaient, excepté les sacrificataires. Or, qui sont-ils les sacrificataires aujourd'hui? Les sacrificataires, c'est l'image des chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et qui sont passés par l'eau de baptême. Ils sont entrés dans la classe des sacrificataires, selon quelle écriture? Apocalypse chapitre 1, verset 6. Apocalypse aussi, chapitre 10, je crois, verset 5. Si vous lisez ces deux passages, vous allez voir que la Bible dit, il nous a fait un royaume de sacrificataires. De tel que nous sommes là, nous sommes des sacrificataires. Et nous sommes dans, tel que nous sommes là, nous sommes en train de partager la parole, nous sommes dans les lieux saints. Alors, le souverain sacrificateur, plutôt, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Ça, vous pouvez voir ça dans Hébreux chapitre 4, verset 15. Donc, c'est lui qui est l'image du souverain sacrificateur Aaron. Donc, le service que le Seigneur Jésus-Christ avait fait à la croix de Golgotha, c'est-à-dire, si vous lisez par exemple Hébreux chapitre 12, vous allez voir la Bible dit, il est entré dans les lieux très saints. Mais pas les lieux très saints physiques, mais les lieux très saints célestes. Donc, je crois qu'on n'a pas le temps pour vous expliquer toutes ces choses, mais comprenez ça comme ça. Je crois que le jour où on parlera de ces choses en détail, on va vous expliquer ça mot à mot. Mais regardez ici. Pourquoi je suis allé là-bas? Pour vous dire ceci, que ce qui peut vivre les effets du soleil, c'est celui qui s'expose en dehors, à l'abri du soleil, qui s'expose plutôt à la chaleur du soleil. C'est-à-dire qui sort de sa tente, qui sort de son confort, qui s'expose là où le soleil est en train de frapper. Or, dans les tabernacles, ce qui pouvait vivre les effets du soleil, c'est ce qui se trouvait dans les parvis. Parce que dans les parvis, il n'y avait pas les toits. Donc, c'est-à-dire, l'Israël qui se trouvait dans les parvis était exposé au soleil. Pourquoi ils étaient exposés? Prophétiquement parlant, ces peuples-là étaient exposés parce que ne peut entrer dans les parvis que celui qui est venu pour pouvoir demander, c'est-à-dire confesser ses péchés.
Parce que les gens qui entraient dans les parfums, ils ne venaient pas pour venir s'asseoir. Ils venaient avec des agneaux pour pouvoir confesser leurs péchés. Et les sacrificateurs étaient là. Ils récupéraient à chaque peuple un sacrifice pour le pardon de son péché. Donc vous comprenez que le peuple là qui traîne dans les parvis, c'est un peuple que le soleil est en train de frapper, de briser leur nature ancienne pour leur donner une autre nature, une nouvelle nature. Vous comprenez? Parce que quand le soleil frappe, change ta nature, la beauté intérieure se manifeste. Selon 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. La beauté intérieure se manifeste. Et quand cette beauté se manifeste, à ce moment-là, tes nombreux péchés sont pardonnés. Parce que là, dans les parvis, il se trouve un autel. On appelle ça l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes représente quoi? Parce que c'est là où l'agneau est immolé. C'est l'image de la croix. Parce que le véritable agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était immolé à la croix. Donc, c'est-à-dire les parvis, c'est l'image de la croix. C'est là où les peuples sont frappés par le soleil pour que leur nature ancienne soit chassée, soit brûlée, soit consumée par les effets du soleil. Et vous devez voir, comprendre aussi que les peuples qui se trouvent dans les parvis, les sacrifices que ce peuple-là donne pour le pardon du péché, les sacrifices-là vont être brûlés jusqu'à ce que ça va devenir noir. Donc, quand les sacrifices deviennent noirs, cela représente quoi? C'est-à-dire Dieu a agréé ces sacrifices. Donc, c'est-à-dire ce peuple-là est pardonné. C'est-à-dire les sacrifices-là qui est devenu noir représentent la personne qui a donné cet sacrifice. Vous avez vu ça? Représente la personne qui a donné cet sacrifice parce qu'il a donné ça pour le pardon de son péché. Donc, c'est-à-dire, on se ressemble. La couleur, c'est-à-dire la couleur noire, c'est la couleur des sacrifices. La raison pour laquelle vous allez voir que dans Hébreux chapitre 12, verset 1, l'apôtre Paul dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. Vous voyez ça? Un sacrifice à Dieu. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous comprenez? Donc nous devons donner nos vies, donner nos corps comme un sacrifice. Et quand on donne nos vies comme un sacrifice à Dieu, c'est-à-dire nous n'allons plus avoir la même peau, la même nature ancienne. Donc, c'est-à-dire notre nature ancienne doit changer. Parce que les sacrifices qui passent sur l'autel, mes bien-aimés, quand le soleil frappe, quand on met le feu, mes bien-aimés, ce sacrifice-là doit devenir tout noir. Vous comprenez? Or, le feu, c'est ça ce que je vous ai dit hier, c'est le baptême, ce qu'on appelle baptême du feu. Baptême du feu. Donc, c'est-à-dire le soleil qui brille la peau de cette femme que j'explique, moi et toi, le soleil-là qui frappe, c'est-à-dire le soleil, le travail qu'il est en train de faire n'est rien d'autre que aujourd'hui ce qu'on appelle le baptême du feu. Or, je vous avais dit que le baptême du feu symbolise deux choses. Le baptême du feu symbolise, un, les épreuves. Deux, symbolise la mort. Hier, je vous avais montré que tous chrétiens qui refusent les épreuves, c'est un chrétien qui n'aura pas les mérites, c'est-à-dire la récompense. Parce que la femme d'Apocalypse 12, je vous avais montré hier, on retrouve quoi sur sa tête? La couronne. Or, je vous avais dit que ne peut recevoir une couronne que celui qui a combattu et celui qui a gardé la foi. Selon quelle écriture? Selon 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 à 8. L'apôtre Paul dit, je combattis le bon combat de la foi. J'ai combattu et j'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Et l'apôtre Paul dit, désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Et le Seigneur me donnera ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc vous comprenez que ne peut porter la couronne, ne peut être récompensé par une couronne, mais bien aimé que celui qui a combattu et qu'il a achevé sa course et qu'il a gardé la foi. Or, pour pouvoir garder la foi, mes bien-aimés, il faut d'abord
passer aux épreuves. Parce que la foi doit être éprouvée. L'apôtre Pierre dit, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. Vous voyez? Que votre foi soit quoi? Soit approuvée. Hein? On avait vu ça, je crois, on avait lu ça dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre... on avait lu ça hier. C'était dans 1 Pierre. C'était un très bon passage. Donc vous allez voir ça. Que votre foi soit passée par le feu. Hein? Je crois qu'on va trouver cette écriture. Et puis on va lire ça. Regardez. Je lis pour vous. Regardez, je suis dans 1 Pierre. Je lis dans la traduction Darby. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. Regardez, la Bible dit, c'est pourquoi vous êtes remplis de joie. Même si toutes sortes de difficultés, suivez cette lecture, mes bien-aimés. Même si, la Bible dit, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps, ces difficultés servent à montrer la qualité. Ah, j'aime la traduction parole de vie. Vraiment que Dieu bénisse ce monsieur qui a traduit la parole de Dieu comme ça. Il dit, ces difficultés servent à montrer quoi? La qualité de votre foi. Un chrétien qui refuse la souffrance, qui refuse les difficultés, mais bien aimé, tu dois t'aller, moi je te conseillerais, je parle à la manière des hommes, hein, je te conseillerais d'aller à l'église apostate, hein, l'église, même à l'église catholique, ou devenir même témoin de Jéhovah. Mais si tu veux être chrétien authentique, chrétien, comme nous sommes là, mes bien-aimés, il faut s'attendre à ces choses. Il y a un prix à payer pour le ciel, mes frères et sœurs. Un petit prix là à payer. Christ a fait un grand travail, mais nous devons porter une petite croix. Vous voyez, la Bible dit, ces difficultés servent à montrer la qualité. Parce que, mes bien-aimés, toi tu dis que tu as la foi, mais ta foi doit être prouvée. Et personne ne choisit les épreuves. Hein? Personne ne choisit ça. Les épreuves, c'est Dieu lui-même qui choisit. Les épreuves qu'il va te faire passer. Peut-être toi, tu vas regarder. Ah, moi, ma situation là. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens attribuent tout à l'ennemi. Les enfants de Dieu attribuent tout au diable. Donc même là où il n'y a pas Satan, on est en train d'attribuer. Il y a des maladies que nous attribuons au diable. Il y a des blocages que nous attribuons au diable. Il y a beaucoup de problèmes que nous attribuons au diable. Les chrétiens ne savent plus faire la différence entre les attaques de l'ennemi et les épreuves de Dieu. Je crois qu'un jour, je reviendrai là-dessus pour vous parler, faire la différence entre les attaques de l'ennemi et les épreuves de Dieu. Les épreuves, c'est une école, l'école de la foi. Les attaques de l'ennemi... Souvent, c'est lorsque tu ne marches pas bien avec Dieu. Lorsque tu ouvres les portes aux démons, lorsque tu vis dans le péché, à ce moment-là, tu peux être attaqué par l'ennemi. Mais quand tu es correct avec Dieu, dans ta conscience, tu sais que tu marches bien, tu n'as pas vraiment, ta vie n'a pas trop de saleté. Et que tu vois que tu traverses des moments un peu compliqués. Mais bien aimé, prier Dieu et tu vas comprendre que non, c'est le Seigneur qui est en train de t'éprouver. Si Job vivait aujourd'hui dans notre temps, beaucoup de gens pouvaient dire que non, ce qui se passe dans la vie de Job là, ce n'est plus normal. Si Job avait, d'ailleurs ses amis l'avaient dit, que Job, si tu avais Dieu, en tout cas, ce qui est arrivé dans ta vie là, ne pouvait pas être comme cela. Ça, ce n'est pas Dieu ça là. Mais c'était Dieu. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Job, c'était Dieu lui-même. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui chassent des démons matin, midi, soir. Mais la situation là, peut-être, ce n'est pas Satan. Il y a des difficultés de la vie chrétienne, la souffrance de la vie chrétienne. Regardez, la Bible dit, ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. Ta foi doit passer par la souffrance, doit passer par les épreuves. Et la Bible dit quoi? L'or peut s'abîmer, pourtant on les met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. C'est ça ce qu'il y a la Bible dit. C'est pareil pour votre foi. Traduction parole de vie. Voilà, ça c'est bien traduit. Il dit, elle est plus précieuse que l'or, mais elle est aussi mise à l'épreuve. Regardez la suite. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur. 1. La louange. 2. La gloire. Ici, je vais parler de la gloire. Soulignez cela. La gloire.
à cause de la qualité de votre foi. Or, la gloire symbolise la couronne. Dans la Bible, nous avons trois sortes, il y en a plusieurs, mais j'ai énuméré trois sortes de couronnes. Nous avons la couronne de gloire. Vous pouvez lire, prenez les Écritures, la couronne de gloire. Prenez les passages, s'il vous plaît. Nous avons la couronne de gloire, c'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Couronne de gloire. Nous avons la couronne de vie. C'est dans Jacques chapitre 1, verset 12. Et nous avons la couronne de justice. C'est dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8. Il y a aussi la couronne de joie, il y a tant d'autres couronnes, mais j'ai énuméré ici trois sortes de couronnes. Mais bien aimé, toutes ces couronnes ici, pour pouvoir la posséder, mais bien aimé, il y a un seul chemin que tu peux passer. Les épreuves. Je vais vous les démontrer. Regardez déjà ici, pour pouvoir obtenir la couronne de gloire, donc il faut passer par quoi? Par les épreuves. C'est pour cela que je vous ai montré que la femme d'Apocalypse chapitre 12, ce n'est pas par hasard, vous voyez cette femme porte une couronne sur sa tête. Donc cela atteste que c'est une femme qui avait combattu et qu'elle a remporté la victoire. C'est une femme battante et que cette femme, sa foi est passée par le feu, qui est le symbole du baptême, qui est le symbole des épreuves. Je vous avais dit hier que nous avons au moins quatre types de baptême dans la Bible. Le baptême de repentance, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de l'eau, d'immersion, et puis le baptême du feu. Parmi tous ces baptêmes ici, le baptême le plus difficile, c'est le baptême du feu, que les chrétiens ne supportent pas. Jésus lui-même est passé par ce baptême. Je vais vous le démontrer ici tout à l'heure. Il est passé par là. Il avait reçu ses baptêmes. Donc, nous avons trois types de couronnes. Or, pour pouvoir recevoir ces couronnes, mes bien-aimés, il y a un seul chemin à passer, passer par les faits. La couronne de gloire. On a vu la femme du Seigneur porter cette couronne. Si vous lisez Apocalypse chapitre 20, verset 9 à 10, le visage de l'épouse du Seigneur, le visage de la femme du Seigneur, il y avait une grande gloire sur son visage, l'éclat. Lisez Apocalypse 20. On a vu cette femme, l'épouse de l'agneau, avec une grande gloire. Apocalypse 20, j'ai dit, hein, je crois, 21, verset 9 à 10. Vérifiez ça, 21, verset 9 à 10. Vous allez voir que l'épouse de l'agneau avait une grande gloire sur son visage. Hein, je crois que c'est... voilà, merci mon frère Cyril. Donc c'est ça. On dit... descend un tout petit peu mon frère, verset 9, à partir du verset 9. On dit quoi? Puis un de sept anges qui s'éteignait les sept coupes remplies de sept derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse. Vous voyez, la femme de l'agneau. Oh, l'agneau ici, c'est Jésus. Vous voyez, on dit quoi? Verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait d'auprès de Dieu. Regardez le verset 11. On dit quoi? Ayant la gloire de Dieu. Vous voyez, la gloire de Dieu, cette femme, la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Regardez, on dit son éclat. Rappelez-vous, je vous avais expliqué ici que l'or avait perdu son éclat, c'est-à-dire sa beauté. À cause de quoi? À cause, parce qu'il a été éprouvé. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Je vous conseille d'acheter de l'or éprouvé par les faits. Jésus, dans ce passage, il se présente comme étant l'or éprouvé par les faits. C'est là où il a perdu son éclat, à la croix de Golgotha. C'est là où l'or a été éprouvé. Parce que c'est lui qui est le véritable l'or. Selon Job chapitre 22, verset 24 à 25. Le Tout-Puissant sera ton or. C'est lui l'or éprouvé par les faits. Vous comprenez? Donc, vous comprenez ici la femme qui a l'éclat sur son visage, il reçoit cet éclat auprès de qui? Auprès de son époux. Parce que l'époux a perdu son éclat pour que sa femme reçoive ses rayonnements, ses splendeurs, cette grande gloire. Vous voyez? Or, cette femme qui reçoit la gloire ici, l'éclat de son mari,
C'est une femme, comme je vous ai dit, que sa foi est passée par le feu. Et voilà pourquoi on a vu cette femme porter une couronne sur sa tête. Lisez 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Vous allez voir que la Bible parle de la couronne de gloire. Cette couronne ne peut le recevoir que celui dont sa foi est passée par le feu. Or, dans Jacques chapitre 1, verset 12, on nous parle de la couronne de vie. Mais bien aimé, la couronne de vie, c'est ça ce qu'on appelle les salis. Vous ne pouvez recevoir les salis, mais bien aimé, si votre foi n'est pas éprouvée. J'aimerais qu'on lise cette écriture. Jacques chapitre, je vais lire ça dans la traduction Bible du peuple. Parce que ici, c'est bien traduit. Ici, c'est très bien traduit. Traduction Bible du peuple. Regardez. Traduction Bible du peuple. Traduction Bible du peuple, je vais lire ça pour vous. Ici, c'est très très bien traduit. Regardez. Regardez mes frères et sœurs. Traduction Bible du peuple, nous sommes dans Jacques chapitre 1, verset 12. Je lis pour vous. Regardez. Suivez la lecture. Heureux l'homme qui a supporté l'épreuve, car celui qui en est sorti éprouvé recevra la couronne de vie que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Vous avez vu ça? Je réitère la lecture. Heureux l'homme qui a supporté l'épreuve, car celui qui en est sorti éprouvé, la Bible dit quoi? Recevra la couronne de vie que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Donc vous comprenez que toutes les couronnes, que ce soit la couronne de gloire, que ce soit la couronne de vie, ne peut les recevoir que celui dont sa foi est passée par le baptême du feu. Celui qui a reçu le baptême du feu. Celui dont sa foi est éprouvée et passée par le feu. Que j'explique les épreuves. Et pour cela, mes bien-aimés, ça ne sert à rien quand le Seigneur est en train de vous faire passer dans une épreuve et vous êtes en train de chercher à pouvoir faire allégeance dans le monde. Mais bien aimé, c'est très risquant. Vous risquerez de perdre les salis. C'est ça. C'est ça ce qui est dit la Bible. Couronne de vie, on les donne à celui qui supporte. C'est ça ce qui est dit l'Écriture. À celui qui supporte. La Bible dit, heureux l'homme qui a supporté. Toi, tu ne supportes pas la souffrance que tu es en train de traverser. Tu regardes ta vie, tu dis que, ah, qu'est-ce que je vais faire? Tu cherches à recourir dans le monde. Tu risques de perdre ton salut. Tu risques de perdre ton salut. Parce que la couronne de vie n'est rien d'autre que, si vous lisez dans la traduction parole de vie, là-bas se traduit seulement les salis. C'est traduit par la vie éternelle. La couronne de vie, c'est traduit par la vie éternelle. Donc, mes bien-aimés, quand le Seigneur est en train de nous faire passer par une épreuve, mes bien-aimés, la seule chose à faire, suivez les conseils que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation dont on fait mention là-bas, c'est l'épreuve. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, l'Écriture dit ceci, « Je ne permettrai aucune tentation qui soit au-delà de votre force. Mais avec la tentation, je préparerai aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » La tentation dont on parle là-bas, c'est l'épreuve. Si vous lisez ça dans d'autres traductions, c'est traduit par l'épreuve. Donc ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans les livres de Matthieu n'est rien d'autre que l'épreuve, c'est-à-dire prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous comprenez? C'est-à-dire un chrétien qui n'a pas la vie de prière au moment des épreuves, c'est-à-dire il va se succomber. Mais bien aimé, quand le Seigneur est en train de te passer dans une école de souffrance, tu es en train de traverser des moments de difficulté, la seule chose à faire, ne pleurniche pas. Au fait, si tu veux pleurnicher, mais pas devant les hommes. Pleurer dans la prière, fais comme Anne. Anne ne pleurait pas devant sa rivale. Anne pleurait dans la présence de Dieu. Le preuve de sa maternité, de la stérilité qui créait des soucis dans la vie d'Anne. Anne ne pleurnichait pas devant les hommes. N'était pas là en train de pleurer parce qu'on est en train de la mortifier. Elle était là, voilà, parce que les gens sont en train de la critiquer. Voilà, tu termines l'argent de ton mari, tu ne fais que bouffer
voilà, du semoule, tu ne fais que bouffer du foufou, tu ne fais que bouffer du pain, tu ne fais que terminer l'argent de ton mari. Voilà, tu es une femme incapable de concevoir. Anne a recevé toutes ces insultes. Elle était tellement mortifiée, mais ne pleurait pas devant les hommes. Elle pleurait dans les temples de Dieu, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Donc quand le Seigneur te prouve, mes bien-aimés, la seule chose à faire, passe ton temps dans la présence de Dieu. S'il faut pleurer, pleurer là, papa, vois tes larmes. Et c'est de là viendra ton secours. Parce que Anne a reçu le secours, le Seigneur est intervenu parce que Anne s'est retrouvée dans sa présence. Lisez 1 Samuel chapitre 1er. Vous voyez? C'est comme ça que le Seigneur peut vous délivrer au moment des épreuves. Donc, nous avons la couronne de gloire, la couronne de vie, la couronne de justice. Donc, toutes ces trois couronnes ne peut les recevoir que celui dont sa foi est passée par le feu et qui a vaincu les épreuves. Donc, ça, c'est très important, souligner cela. Donc, nous sommes en train de dire que celui dont sa foi est passée par le feu, la Bible dit, il recevra la couronne de gloire. Et cette couronne de gloire est symbolisée par ce que je suis en train de dire, la présence de Dieu ou la gloire. Mais si tu demeures dans le péché, tu es privé de cette couronne. Parce que Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est toi, c'est moi. C'est le pouce du Seigneur. Selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, la Bible dit, la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Cette gloire-là, c'est ça la beauté de la femme. Je vous avais montré hier que le désir du roi est porté vers la beauté de sa femme. Vous voyez, le roi-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette beauté-là n'est rien d'autre que la beauté intérieure, c'est-à-dire la vie de pureté, la vie de sainteté, la vie de sanctification. C'est ça ce qui glorifie Dieu en nous. Vous voyez, si tu as ces qualités, c'est ça la beauté intérieure, la nature de l'agneau. Vous voyez, quand vous portez le fruit de l'esprit, c'est ça la beauté, c'est ça la gloire. Vous voyez? Et quand vous demeurez dans le péché, vous êtes privé de cette gloire. Alors, donc c'est ça ce qu'on avait vu. Donc, le baptême du feu, c'est un passage obligé. Alors, le baptême du feu, comme je vous avais dit, explique aussi la mort. Le Seigneur Jésus-Christ, notre maître, mes bien-aimés, il était passé par là. Selon quelle écriture? Selon Luc chapitre 12, verset 49 à 50. Je vais lire ça dans la traduction Parole de vie pour vous. Suivez-moi ici très bien. Regardez, parce que Jésus est notre modèle. Nous n'avons pas un autre modèle excepté le Seigneur Jésus-Christ. Sa vie, c'est notre vie. La Bible dit dans le livre de 1 Jacques 4, verset 16, « Tel qu'il est, tel que nous sommes aussi sur la terre. » Donc c'est lui le seul notre modèle. Les apôtres nous ont renseigné par rapport à ça. L'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Donc notre modèle, c'est Jésus. Il est passé par ce baptême, nous aussi, nous devons passer par là. Que tu veuilles ou pas, si tu es chrétien, même si tu avances, le Seigneur te bénit, le Seigneur te donne la joie, mais sache qu'un jour tu vas pleurer. Le Seigneur va faire comme s'il est tout. Lisez, il y a beaucoup de gens qui aiment ce psaume de David qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a d'autres personnes qui récitent ça comme des récitations. C'est bien bon, hein? Mais beaucoup ne font pas attention à cette prière. Hein? Si vous lisez ce petit chapitre-là, hein, ce petit chapitre de psaume, chapitre 23-là, ça commence au premier verset jusqu'au verset 6, ça s'arrête là. Mais bien aimé, il y a les vallées de Baca qui se trouve dans ce passage, dans le verset 4. Vous allez voir que David est en train de lire cette prière. Il dit, l'Éternel est mon berger. Là, l'Éternel est son berger, il est avec lui. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Donc, c'est le Seigneur qui le nourrit. Là, il n'y a pas les épreuves, il n'y a rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est lui qui te repose, donc c'est le Seigneur qui te prend toujours en charge. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. C'est lui toujours qui combat pour toi, contre tes ennemis. Mais regardez la suite. Il dit, quand il commence maintenant à lire le verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, au lieu de dire que le Seigneur m'accompagne, il dit, je ne crains aucun mal. Là, le Seigneur n'est plus, tu es seul.
je ne crains aucun mal. Là, c'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est ça ce qu'on explique le baptême du feu comme symbole de la mort. Là, le Seigneur, là, il est là, mais tu ne le verras pas. Il te tient plus par la main. Il te regarde comme l'aigle qui laisse, qui abandonne son enfant dans les airs. Et il est en train de regarder de loin comment son enfant est en train de chercher à lutter contre les vents, contre les tempêtes, que j'explique, les attaques de l'ennemi. Et s'il voit que son enfant veut hériter contre un arbre ou contre la terre, il vient par un vol rapide pour secourir son petit. C'est ça l'œuvre que le Seigneur fait. Il est le grand aigle, nous, nous sommes des aiglons. Il nous abandonne dans les airs, contre les marées et les vents, contre la tempête, contre les attaques de l'ennemi, les attaques des sorciers. Et là, comme sommes en train de pleurer là, quand le Seigneur te voit que non, ils veulent te tuer, il vient maintenant par une intervention rapide, par un vol rapide. Et il commence à les frapper pour te faire sortir vainqueur. Amen. Vous voyez, c'est ça ce que le Seigneur fait comme travail dans notre vie. Et il ne nous abandonnera pas. David dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et si même ici je ne te vois pas, même si je ne sens pas ta présence, mais je sais que tu es là. Ça dit, mais bien aimé, quand nous sommes en train de traverser au moment des épreuves, le Seigneur est en train de nous faire baptiser par le feu. Mais bien-aimé, il n'est pas absent. Même si tu vois tout noir. Il y a un bien-aimé qui a chanté, il arrive des fois que les cieux deviennent nuageux. Il arrive des fois que je prie, il n'y a pas de réponse. Il arrive des fois, je me sens comme un Jonas. Cela ne veut pas dire, tu m'as abandonné, Seigneur. Il arrive des fois que les cieux deviennent nuageux. Cela ne veut pas dire, il n'y a pas un soleil quelque part. Je te donne alphabet, oh mon Dieu, oh. Faisant tous les mots que tu veux, Seigneur. N'oublie pas de signer ma prière au nom de Jésus, le nom infaillible, le nom du puissant vainqueur. Oh. Mais bien aimé, donc c'est-à-dire, quand tu traverses les épreuves, il arrive des fois le ciel devient nuageux. Il arrive des fois, tu te sens comme Jonas abandonné. Mais cela ne dit pas qu'il est absent, il est là. Mais une fois, il nous abandonne comme l'aigle dans les airs. Luc chapitre 12, verset 49-50, tradition parole de vie. Je suis venu apporter un feu à notre maître. Je suis venu apporter un feu sur la terre. La terre ici, c'est toi et moi. Luc chapitre 8, la semence qui était tombée sur une bonne terre, c'est cette semence qui avait poussé. C'est toi et moi. Ouais, qui écoute la parole. Je suis venu jeter un feu sur la terre et je voudrais vraiment qu'il soit déjà allumé. Donc c'est ça le baptême du feu. Et il dit quoi? Je dois recevoir un baptême et j'attends avec grande patience que cela se réalise. Donc le baptême dont le Seigneur dit ici qu'il va recevoir, c'est le baptême du feu. Or le baptême ici, c'était par rapport à sa mort. Donc du fait que le Seigneur était crucifié à la croix, était malmené par les gens de ce monde, par les soldats romains, méprisé, insulté, craché au visage, malmené, torturé, fragilé, supplicié, tout ce qu'il avait reçu comme maltraitance, c'était ça le symbole du baptême du feu. C'est pour cela, dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, il se présente comme étant l'or éprouvé par les feux. Il a été éprouvé par l'effet à la croix de Golgotha. Lui-même, il est passé par là. Et pour ça, je vous dis que le baptême du feu, c'est aussi le symbole de la mort. Selon quelle écriture? Selon Romains chapitre 6, verset 4. Je lis pour vous rapidement. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Vous voyez ça? Romains chapitre 6, verset 4. La Bible dit, nous avons donc été ensevelis. Avec qui? Avec lui. Lui, c'est qui? Jésus. La Bible dit, par le baptême en sa mort. C'est ça le baptême du feu. Vous comprenez? Afin que comme Christ est ressuscité mort, regardez, est ressuscité et mort par la gloire du Père, de même nous aussi marchions en nouveauté de vie. Ah! Vous voyez ça? Donc, une personne qui est passée par le baptême du feu, mes bien-aimés, ne reste pas la même personne, non? La Bible a dit, une personne qui est passée par le baptême du feu, il marche maintenant cette fois-là en nouveauté de vie.
Si vous voyez un chrétien que sa vie ne change pas, avant de devenir chrétien, et depuis qu'il est devenu chrétien, il se comporte toujours de la même manière. Comprenez tout simplement que celui-là n'est pas mort avec Christ et n'est pas ressuscité avec Christ. C'est quelqu'un qui n'a jamais été crucifié avec Christ, jamais. Vous voyez? Parce que nous avons aujourd'hui plein de chrétiens comme ça. Donc sa vie et la vie des païens, donc pareil. Alors que la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas, entre le juste et le méchant. Un chrétien qui est mort, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ, et que sa vie reste la même, mais ce n'est pas possible. C'est ça le texte, Romains 6, verset 4. La Bible dit, nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité, de même par la est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Si tu es passé par ce baptême, mes bien-aimés, ta vie changera. Un chrétien qui a été prouvé, qui a reçu le baptême du feu, qui est passé par les épreuves, mes bien-aimés, sa teinture va changer. Et la teinture que je parle ici, c'est-à-dire sa peau doit devenir belle. C'est-à-dire la nature intérieure. Il va dégager la beauté que le Père cherche. Vous comprenez? C'est ça ce que vous devez retenir. Donc, un chrétien qui n'est pas passé par le baptême du feu, mais bien aimé, c'est un chrétien qui n'a pas les salis. Si vous lisez par exemple dans Jacques chapitre 1, verset 11, la Bible dit, le soleil s'est levé avec sa chaleur. La Bible dit quoi? Et la Bible dit, avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe. L'herbe ici remplacé ça par la chair. Sa fleur est tombée. La fleur, c'est la gloire ou la beauté de l'herbe. Et la Bible dit, et la beauté de son aspect a disparu. La Bible dit, ainsi les riches se flétira dans ses entreprises. Donc vous comprenez que quand le soleil frappe l'herbe, que j'explique, l'homme ou la chair, la Bible dit, la fleur va faire quoi? Va tomber. La fleur, c'est la beauté extérieure. C'est l'apparence extérieure. C'est les œuvres charnelles. Rappelez-vous, hier, on avait parlé sur 1 Pierre chapitre 3, verset 4. C'est-à-dire, tout ce qui est les œuvres de la chair, quand le soleil te frappe, ces œuvres-là vont être tuées. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1, 24, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Donc vous voyez, donc toute chair est comme l'herbe. Or, dans Jacques 1, 11, le soleil frappe quoi? Le soleil, par sa chaleur, dessèche l'herbe. Donc c'est-à-dire, vous comprenez que le baptême du feu est indispensable pour les chrétiens. Donc, c'est un passage obligé. Donc, un chrétien qui n'a pas tué les œuvres de la chair en lui. Donc, Babette, si tu peux fermer ton micro pour éviter des bruits, s'il te plaît. Voilà. Donc, un chrétien qui n'a pas abandonné les œuvres de la chair, qui n'a pas tué les actions de la chair dans sa vie, c'est un chrétien qui ne peut pas espérer au salut. Qui n'a pas la vie. Qui n'a pas la vie. Donc ce chrétien-là doit fournir beaucoup d'efforts, doit travailler énormément pour pouvoir être sauvé. Au cas contraire, le salut est loin de toi. Mais bien aimé, ne joue pas avec le salut. Il y a un prix à payer pour pouvoir avoir le salut. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Si vous ne payez pas ce prix, mes bien-aimés, vous êtes loin du salut. Le soleil, comme je vous ai dit, c'est le pou, c'est l'homme, c'est le mari. Si vous lisez, par exemple, dans Psaume, vous allez voir que David a présenté Jésus-Christ comme le soleil. Je vais terminer en lisant ce passage. Je vais vous montrer quelque chose. Nous allons terminer ici pour aujourd'hui. Je suis dans le livre de Job, et plutôt de Genèse, plutôt. Genèse chapitre, je vais lire ça après, mais je vais vous révéler quelque chose ici par rapport à l'enlèvement.
La couleur de ta chair doit devenir noire, c'est-à-dire doit manifester la beauté, les résultats du soleil. Au cas contraire, mes bien-aimés, si tu ne changes pas ton comportement, ta nature ancienne ne change pas, mes bien-aimés, le sali est loin de toi. Notez ce passage, Genèse chapitre 30, le verset 32 à 35, virgule 40. Je vais lire ça après pour vous. Ici, je vais vous rappeler, vous devez noter aussi Genèse 37, 9 à 10. Ici, on nous présente Jacob comme étant le soleil. Retenez ça, Jacob comme étant le soleil. Parce que nous sommes en train de parler du soleil levant qui n'est rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui doivent nous brûler, qui doivent changer notre nature ancienne, qui doivent nous brûler, nous faire passer par le feu, afin que notre peau soit brûlée et que notre teinture devienne noire, afin que nous puissions manifester la beauté que le Père cherche. Si le soleil ne nous frappe pas, si nous ne sommes pas enveloppés par le soleil, mes bien-aimés, c'est difficile de manifester, mes bien-aimés, tout ce que le Père cherche en nous. C'est difficile de pouvoir porter le fruit de l'Esprit. Genèse chapitre 37, verset 9 à 10, on nous parle de Jacob comme étant le soleil. Donc vous comprenez ici, Jacob comme soleil, c'est le soleil plutôt, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous allez voir que si vous lisez dans le chapitre précédent que je vous ai donné, de Genèse chapitre 30, verset 32 à 35,40, vous allez voir que Jacob, je suis en train de paraphraser l'histoire, Jacob va quitter le pays de Canaan. Or, le pays de Canaan, Canaan, c'est l'image du ciel. Soulignez cela, vous le savez très bien. L'Israël avait quitté l'Égypte pour aller vers le pays de Canaan. L'Égypte, c'est le monde. Le pays de Canaan, c'est l'image du ciel. Or, Jacob vivait dans le pays de Canaan. Et Jacob va quitter le pays de Canaan pour aller dans quel pays? Pour aller vers la Syrie, qui est l'image du monde. L'histoire se trouve dans ce passage, dans les textes que je vous ai donnés. Le passage que je vous ai donné. Qu'est-ce que Jacob va aller faire en Syrie? Il quitte Canaan. Jacob qui est le soleil. Selon Genèse 37, 9 à 10, l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il quitte le pays de Canaan. Il va aller où? Vers la Syrie. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? C'est qu'il est allé faire là-bas pour pouvoir travailler. Et le travail que Jacob va faire en Syrie, c'est pour recevoir un salaire. Et le salaire que Jacob va recevoir, ça sera le salaire comme des agneaux. Des agneaux qui avaient la couleur noire. Vous comprenez? Or, Jacob est allé en Syrie. Syrie, c'est l'image du monde. Et Jacob est allé là-bas. Il a travaillé pendant combien de temps? Pendant 14 ans. Soulignez ces chiffres. 14 ans. Il a travaillé 14 ans pour recevoir comme salaire les agneaux qui avaient manifesté la couleur noire, qui est l'image de la beauté. Il a travaillé pour tous les troupeaux de Laban. Laban, c'était son neveu dans la chair. Mais dans la révélation, Laban qui habite le pays de Syrie, c'est l'image de Satan. Et Jacob va travailler pour son troupeau. Il a travaillé pour tous les troupeaux de Laban. Mais à la fin, après 14 ans, Jacob va recevoir comme salaire une catégorie de troupeaux qui avaient manifesté la couleur noire. Tous les troupeaux qui avaient la couleur blanche, Jacob n'avait pas reçu ces troupeaux-là, n'avait pas transporté ces troupeaux. Il avait abandonné ces troupeaux. Jacob va récupérer seulement les agneaux qui avaient la couleur noire, qui avaient manifesté la nature de la beauté. Il a laissé tous les agneaux, toutes les brebis qui n'avaient pas la couleur noire. Il a laissé ça pour Laban. Cela explique quoi? Cela explique Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 14.
Le Seigneur Dieu a jeté les regards dans le monde auquel l'ennemi est en train de régner. C'est-à-dire ce monde comme le pays de Syrie. C'est le diable qui a la tête. Mais le Seigneur a travaillé dans ce monde. Il n'a pas travaillé pour tout le monde. Bien que les salis étaient accordés pour tous. Mais il y a un peuple qui avait reçu ces salis. Et le Seigneur a récupéré ce peuple-là. Comme étant les agneaux qui avaient manifesté la couleur noire. Symbole de beauté. Et Jacob va rentrer au pays de Canaan en transportant tous les agneaux qui avaient manifesté la nature, la couleur noire, la nature de la beauté. Parce que Jacob, comme je vous ai dit, Jacob qui est le soleil, selon les versets que je vous ai donnés, c'est-à-dire tous les temps où il a travaillé, c'était pour pouvoir brûler ses troupeaux. Mais il y a des troupeaux têtus qui n'ont pas manifesté la nature que Jacob demandait. Lisez ce passage, vous allez voir. Attends, je vais vous lire ça. Rapidement. Regardez. Je lis ça rapidement pour vous. Genèse chapitre 30, verset 32 à 35. La Bible dit ceci. J'ai parcouru aujourd'hui tout ton troupeau. Le troupeau de qui? De Laban. Qui est l'image de l'ennemi de Satan. Jacob dit, mets à part parmi les brebis tout agneau taché, tacheté et marqueté, tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Vous voyez ça? Mon salaire. Ma droiture répondra pour ce qui est, ne sera pas, plutôt, il dit, ma droiture, voilà. Ma droiture, voilà, ça sera mon, voilà, ma droiture répondra pour ce qui ne sera pas tacheté, marqueté. Oh, je saute quelque chose, voilà. Il dit, ma droiture répondra pour moi demain, voilà, pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. C'est-à-dire, si je prends, il dit à Laban, tout ce qui n'est pas noir, qui n'a pas de taches de saleté, si moi je prends ça, en tout cas, considérez ça comme étant quoi? Un vol. Donc moi, je ne prendrai que ceux qui sont noirs, ceux qui sont sales. Ça sera mon salaire. Et regardez, il dit, ce même jour, il mit à part les boucs rayés, et tout celle où il y avait 10 blancs, ça c'était pour Laban. Et tout ce qui était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était raillé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban, qui est l'image de l'ennemi. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Donc tous les brebis et tous les agneaux qui n'étaient pas noirs, Jacob a laissé ça pour Laban. C'est ça l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix. Tous ceux qui n'ont pas changé leur nature, le Seigneur laisse ça pour Satan. Voilà pourquoi le diable n'ira pas seul en enfer. Il ira avec tout ce que Jacob a laissé pour lui. Vous comprenez? Donc tous ceux qui n'ont pas été brûlés, parce que Jacob c'est le soleil. Genèse 37, 9, 10. Il a travaillé pendant 14 ans. Donc c'est-à-dire, il a libéré le chaleur. Il a libéré le chaleur. Mais il y a quelques agneaux qui sont brûlés, qui sont devenus noirs. Ici je suis dans la révélation. Hein. Mais il y a d'autres brebis qui restent toujours blancs. Blanches. D'autres anneaux qui restent blancs, qui ne changent pas, il dit, ah, comme ça ne change pas, ça c'est pour Laban, qui est l'image de Satan. Mais ceux qui sont devenus noirs, qui sont brûlés par la chaleur, que le soleil que j'explique Jacob, que la chaleur qu'il avait dégagée pendant 14 ans, Jacob a récupéré ses agneaux et il va les transporter au pays de Canaan que j'explique le ciel. C'est-à-dire, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix,
C'est pour qu'un peuple puisse manifester la nature que Dieu demande. Et cette nature n'est rien d'autre que la peau noire. Et cette peau n'est rien d'autre que la beauté intérieure. Parce que si le soleil te brûle, ta teinture changera. Et il a travaillé pendant combien de temps? 14 ans. Or, le chiffre 14 nous parle de la Pâque. C'est-à-dire nous parle de la mort de l'agneau. Genèse chapitre 12. Lisez ça. Lisez aussi Lévitique chapitre 23, verset, à partir du premier verset, ça se trouve là-bas. Le chiffre 14 parle de la mort de l'agneau. Donc vous comprenez que le temps où Jacob a travaillé pendant 14 ans, cela explique la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Pour pouvoir quoi? Pour recevoir des agneaux qui ont manifesté la nature du soleil. C'est-à-dire qui ont changé l'air natif, qui ont changé la peau, qui sont devenus noirs. Et ce sont des agneaux que Jacob va transporter au ciel. Jacob, que j'explique, Jésus. Mais bien aimé, si vous n'avez pas changé votre nature ancienne, si vous n'avez pas changé votre comportement ancien, quand le Seigneur reviendra, le Seigneur ne te prendra pas. Il va te laisser avec là-bas, que j'explique, le diable. Vous irez avec lui en enfer. Mais ceux-là qui ont manifesté la nature que Jacob demande, la nature que Jacob veut, ce sont ceux-là que Jacob va les transporter au ciel. Mes bien-aimés, je m'arrête ici pour terminer en disant ceci. Le véritable époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Psaume chapitre 19, verset 4 à 6. Traduction par Eau de Vie. La Bible dit, ce n'est pas un discours. Il n'y a pas de parole. Aucun son ne se fait entendre, mais leur message parcourt toute la terre et il se répand jusqu'au bout du monde. Là-haut, c'est-à-dire au ciel, là-haut, Dieu a planté une tente pour le soleil. Dieu a planté où? Au ciel. Une tente pour qui? Pour le soleil. Je vais vous expliquer cette tente pour terminer. Le matin, celui-ci est comme un jeune mari. Dans le soleil, on le compare comme un jeune mari, comme un époux. La Bible dit qu'il sort de sa maison. Or, la maison du soleil comme époux, c'est nous. Hébreux 3, 6. Christ, il est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Il se lance comme un champion erré de courir sur la route. Mais regardez la tente que le soleil habite. La Bible dit, Dieu a planté une tente pour le soleil. Mais regardez, l'apôtre Paul nous explique cette tente. 2 Corinthiens 5, 1. Regardez ce que Paul dit. Sur la terre, traduction par Eau de Vie. Sur la terre, nous habitons dans un corps. Regardez, il est comme une tente qui sera quoi? Détruit un jour. Mais regardez, mais nous le savons, dans les cieux, alléluia, nous avons une maison qui dure toujours. C'est Dieu qui l'a faite. Ce ne sont pas les mains, ce n'est pas les hommes. La tente, c'est toi et moi. Et c'est ça la demeure du soleil. Mais cette écriture, vous devez le comprendre. Cette tente que nous avons aujourd'hui, c'est une tente qui doit être brûlée. Qui doit être brûlée par les effets du soleil. Mais la Bible nous dit quoi? Nous avons une tente au ciel. Ici, je vous explique un verset des fois qui est mal compris par beaucoup de chrétiens. Jean chapitre 14, le verset qui dit, « Je vais vous préparer une place. Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a plein de demeures dans la maison de mon père. » Mon frère Cyril, prend ça. C'est un verset qui est... Oh mon Dieu, que le Seigneur nous aide. Méditons la parole, mes bien-aimés. C'est très important. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Beaucoup de gens, ils ont interprété ces passages quant à la chair. Ah, là-bas au ciel, il y a des maçons, il y a des architectes qui sont en train de construire des immeubles.
J'ai suivi même un papa que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est bon, ça fait rire, mais bon, je ne sais quoi dire quoi. Qui avait interprété ça littéralement. Et au ciel là-bas, il y a des maisons. C'est-à-dire, chaque chrétien aura sa propre maison à lui. Alors que si vous lisez la prophétie, au ciel, nous n'allons faire que 7 ans, mais nous allons rentrer sur la terre. Personne ne va rester là-bas. Là-bas, c'est juste pour rencontrer Isaac. C'est pendant 7 ans que nous puissions faire. C'est-à-dire, c'est la fête des mariages. Et des maisons ici dont il est question, des demeures, c'est ça ce que Paul explique. C'est des corps spirituels que nous allons porter. C'est ça ce qu'on appelle maison. Ça n'a rien à voir avec des maisons physiques. Parce que la Bible dit quoi? La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais la Bible dit quoi? Le Seigneur va nous donner un corps incorruptible. Et c'est ça la maison spirituelle. C'est ça des places que le Seigneur veut nous préparer au ciel. C'est ça. C'est-à-dire des maisons spirituelles. Parce qu'aujourd'hui, nous habitons dans une maison qui peut être détruite. Le corps ici, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est la maison de Dieu. Mais c'est une maison qui est fragile, qui peut être détruite. Mais nous allons demeurer dans une maison qui ne sera jamais détruite, c'est-à-dire des corps incorruptibles. C'est ça ce que Jésus a caché ici dans son langage. Vous comprenez? Donc c'était juste une parenthèse que je referme. Donc, vous comprenez que mes bien-aimés, nous devons s'apprêter pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ne fuis pas les épreuves. Si tu traverses des moments difficiles, sache que c'est un baptême du feu que le Seigneur est en train de te faire baptiser. Continue à prier, continue à demander sa grâce, sa compassion. Lui-même, il est passé par là. Et il a dit, qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. La croix, là, n'est rien d'autre que le baptême de sa mort. Nous devons être ensevelis avec Christ et résister avec lui afin de marcher dans une nouveauté de vie. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous. Acclamons la parole. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons demander la grâce de Dieu. Mes bien-aimés, sans la grâce de Dieu, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. Vraiment, la vie chrétienne, mes bien-aimés, ce n'est pas une vie facile. C'est vraiment une vie qui demande vraiment énormément l'aide de Dieu. L'aide de Dieu, parce que sans l'aide de Dieu, c'est difficile. Nous devons toujours, mes bien-aimés, prier. Rester scotché dans la présence de Dieu et dans la méditation. Donc, il faut abandonner tout ce qui est orgueil, abandonner tout ce qui est chair, vraiment abandonner. Que personne vienne travailler ton salut. Personne ne vient travailler à ta place pour ton salut. Toi-même, tu dois travailler, tu dois bosser, mes bien-aimés, pour que tu ne perds pas le salut. Parce que si tu te laisses dans la chair, il te sera difficile. Vraiment, demander la grâce de Dieu. Si le Seigneur t'a parlé au travers cet enseignement, demander la grâce. Dis au Seigneur que Seigneur, je ne peux pas tout seul. Sans ton aide, sans ton soutien, Seigneur, je ne peux pas. Vraiment, Seigneur, aidez-moi. Donnez-moi même de belles idées. Comment je peux vivre ma foi? Comment je peux vivre ma vie chrétienne? Comment je peux comprendre que Seigneur, tu es en train de me traverser dans les épreuves? Je devais rester calme. Ou soit quand je suis attaqué par l'ennemi, comprendre que ça, ce sont les attaques de l'ennemi. Seigneur, aidez-moi. J'ai ces soucis, Seigneur. Demande la grâce de Dieu. Prions tous ensemble. Prions, alléluia. Seigneur, je te demande la grâce. Seigneur, sans toi, je ne peux pas. Oh mon Dieu, mon roi, aidez-nous, notre Dieu. Aide-nous, notre roi. Seigneur, s'il te plaît, nous te demandons la grâce. Nous te demandons l'aide. Seigneur, nous savons que les épreuves, le baptême du feu, Seigneur, nous font pleurer. Seigneur, ça fait pleurer parce que ça nous rend triste. Seigneur, ça nous afflige. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, quand tu nous fais traverser à des moments, Seigneur, des épreuves, nous voulons que tu nous donnes une foi ferme. Une foi inébranlable, une foi ferme. Ô notre Dieu, nous voulons se ressembler à nos prédécesseurs, nos aînés de la foi, Seigneur, qui ont vaincu, qui ont gardé la foi jusqu'au dernier souffle. Seigneur, donne-nous cette foi. Seigneur, une foi résistante, une foi ferme. Seigneur, afin de ne pas baisser la garde, afin de ne point céder à l'ennemi.
Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, même moi qui a donné cet enseignement, Seigneur, je ne suis pas arrivé, je ne suis pas atteint la perfection. Seigneur, il y a des fois je pleure, il y a des fois je me pose des questions, il y a des fois je me demande des choses, je demande, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux, mon Seigneur? Oh notre Dieu, aidez-nous tous, Seigneur, aidez-nous à transporter, Seigneur, notre croix jusqu'au bout. Seigneur, qui peut hériter le ciel par ses propres efforts? Qui peut, Seigneur, prier parce qu'il est fort en prière? Qui peut méditer, comprendre ta parole parce que, Seigneur, il est capable, Seigneur, de lire et de comprendre ta parole? Si toi, tu ne l'aides pas, parce que tu as dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, nous croyons que, Seigneur, tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, pour que tu reçoives la gloire, ça doit venir de toi. Seigneur, aidez-nous. Aidez-nous, notre Père. Aidez-nous, notre Dieu, à pouvoir travailler, Seigneur, sur notre salut, à pouvoir travailler notre foi, à pouvoir avoir une foi ferme, une foi inébranlable, une foi qui a la capacité de transporter des montagnes et de les transporter, de les jeter de l'autre bord. Père, s'il te plaît, accorde-nous la vie de prière, la vie de méditation, la vie de la crainte de nom du Seigneur. Lorsque le soleil brille notre chair, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, se soumettre jusqu'à ce que le soleil finira son travail, afin que nous puissions manifester la beauté que le Père cherche. Alléluia. Papa, aidez-nous. Papa, aidez-nous. Papa, aidez-nous. Parce que tu as dit, il viendra des temps difficiles. Les hommes deviendront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, compréhensibles, ennemis de gens de bien. Seigneur, ils vont maltraiter. Tu as dit, les autres même, ils vont frapper leurs parents. Seigneur, nous vivons ces temps. Nous vivons ces temps, des temps fâchés, des temps durs. Mais Seigneur, nous croyons, tu ne nous abandonneras pas. Tu ne nous délaisseras pas. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous vivre selon ta grâce. Seigneur, j'ai fait ta part. J'ai semé, Apollos a arrosé. C'est toi qui vas faire croître cette semence dans la vie de ton peuple. Seigneur, je n'ai rien ajouté à ce qui est dit. Seigneur, le reste, c'est ton travail. S'il te plaît, Père, travaille la vie de tes enfants. Tout celui qui a écouté ces messages, tout celui qui est touché et qui veut le changement, Seigneur, tiens-le par la main. Et Seigneur, aide-la, aide-le, afin que, Seigneur, qu'il vive, Seigneur, sa vie chrétienne telle que tu la demandes dans la parole. Au nom de Jésus-Christ. Remettons cette nuit entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de te garder. Demande à Jésus de te protéger. Demande à Jésus de te visiter pendant le sommeil. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je remets cette nuit entre ta sainte main. Que ce soit une nuit tranquille. Que ce soit une nuit paisible. Que ce soit une nuit où tu vas nous parler. Que ce soit une nuit où, Seigneur, tu vas nous visiter. Nous sommes en train de repousser au nom de Jésus-Christ toute visitation nocturne, tout dérangement satanique, tout ce qui n'est pas de toi, des surprises désagréables. Seigneur, nous sommes en train de les rendre nuls sans effet. Au nom de Jésus, loin de nos vies, loin de nos parents, loin de nos enfants, loin de nos femmes, loin de nos époux, loin de nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, que ta grâce nous protège, que ta grâce repose sur nous, que ta grâce soit avec nous. Seigneur, je t'en supplie. Père, je te prie d'être avec nous, de nous aider, de nous soutenir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, que ta grâce surabonde sur nos vies. Dors avec nous dans la paix. Père, je dis dans la paix. Père, je dis dans la paix. Que ta paix soit notre partage. Que ta paix soit notre partage. Seigneur, la maladie soit loin de nous. Des surprises désagréables soient loin de nous. Père, tout ce qui est satanique sur Céléric, nous sommes en train de les renverser par l'épée de l'Esprit qui n'est rien d'autre que la parole. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Père, nous voulons être couverts par les draps qui n'est rien d'autre que ta main. Seigneur, la Bible dit, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Couvre-nous, Seigneur, par l'ombre de ta main puissante. Si nous allons se réveiller en paix, nous ne manquerons pas de te dire merci. Défends-moi, défends ma famille. L'ennemi est jaloux de ce que nous sommes en train de faire comme Ève. Seigneur, défends-moi. Seigneur, tu n'abandonnes pas tes serviteurs contre tous les complots diaboliques, machiavéliques.
protège ma femme et mes petits-enfants. Au nom du Seigneur Jésus. Père, entre ta main, je m'abandonne. Ma femme, mes enfants, nous, Seigneur, sommes en train de s'abandonner entre tes mains. Au nom précieux de Jésus, je remets la continuité de ce programme, Seigneur, entre ta main. Demain, c'est notre dernier jour. Tu as dit dans la Bible, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Seigneur, nous terminons avec toi. Et je demande que, Seigneur, donne-moi quelque chose que je peux partager demain encore avec ton peuple. Seigneur, si tu reviens cette nuit, Seigneur, après cet enseignement, Seigneur, que personne qui a entendu ce message ne puisse rentrer l'enlèvement. Si tu reviendras pendant la nuit, Seigneur, prends-nous avec toi, au nom de Jésus-Christ. Je crois que, Seigneur, nous sommes des agneaux qui ont manifesté, Seigneur, la nature que Jacob cherche. Père, fais-nous grâce, au nom précieux de Jésus. Que nous avons ainsi prié, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon frère Cyril, si tu peux remettre les tableaux, que je coupe le Facebook. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Nicole, Babette. Merci, mon frère merci, Cyril. Je bénis à vous. Adrienne. Est-ce que je peux dire quelque chose une minute? Mes bien-aimés, WhatsApp, écoutez-moi s'il vous plaît, ne coupez pas encore. Je vais m'adresser à vous tous, s'il vous plaît. Maman Adrienne, Maman Nancy, Maman Brigitte, est-ce que vous êtes là?